Bonsoir à tous et à toutes. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une méditation guidée en trois étapes, toujours, suite aux fêtes de Noël, mais pas seulement. C'est vraiment une méditation que vous allez pouvoir faire après n'importe quelle réunion que vous ferez. Réunion de famille, entre amis, professionnels, ou tout événement où vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Voilà, c'est intéressant pour pouvoir évoluer. C'est une méditation guidée qui va vous amener à beaucoup plus de liberté en apprivoisant votre ombre. Quand je dis ombre, c'est en fait les sentiments difficiles, négatifs, dits négatifs, qui vous traversent et qu'on a tendance à fuir, voilà, parce qu'ils sont précisément désagréables. Et en fait, souvent, on perd de la liberté parce qu'on les fuit, parce qu'on ne regarde pas, on ne les reconnaît pas et on passe beaucoup d'énergie à fuir tout ça. À partir du moment où on s'assoit, on se dépose et on accepte de les regarder, alors on va vraiment libérer énormément d'énergie à l'intérieur de nous, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est parti, donc méditation guidée en trois étapes. Alors, moi je suis assise, vous pouvez vous asseoir. Voilà, asseyez-vous dans un endroit confortable, vous ne risquez pas d'être dérangé. Là, vous pouvez... Voilà, vraiment vous déposez, vous assurez que votre colonne vertébrale est droite, en souplesse, tout en souplesse, mais droite. Voilà. Et puis vous allez commencer à porter votre attention sur votre enveloppe corporelle. Et puis sur tous les points d'appui, de contact que vous avez avec le sol ou le support où vous vous trouvez. Et puis de là, tranquillement, vous allez pouvoir poser votre attention sur votre respiration. Vous observez tout le mouvement du souffle et tout ce que ça vient faire bouger dans votre corps. Soulèvement des épaules, de la cage thoracique, de votre ventre. Voilà, vous accompagnez votre inspire et votre expire sur toute leur longueur. J'inspire, j'observe que j'inspire et j'expire, j'observe que j'expire. Et tout en faisant ça, vous commencez à vous déposer, à vous détendre. Votre corps commence à se détendre. Vous êtes présent à lui. Voilà, quelque chose qui se dépose, qui s'arrête, s'immobilise. Voilà, le terrain privilégié pour mettre de la conscience sur ce qui est là. Vous allez monter votre attention dans votre cœur, au centre de votre poitrine. Voilà, vous inspirez et vous expirez à cet endroit. Vous pouvez mettre la main, si ça vous aide, ou les deux mains. Voilà, vous inspirez au centre de votre poitrine pour prendre contact avec votre cœur, avec la sagesse de votre cœur. Et puis là, les yeux fermés, vous pouvez aussi garder les yeux ouverts si vous le souhaitez. Ça dépend de vous. Le problème avec les yeux ouverts, c'est qu'on peut être très attiré facilement visuellement par des choses qui rentrent en distraction. Voilà, vous continuez de respirer dans votre cœur. Et puis vous allez commencer à faire monter tout ce qui s'est passé pendant ces fêtes de Noël, ou alors pendant... cet événement que vous avez choisi, cette réunion, comment ça s'est passé à votre niveau, dans votre ressenti. Ce n'est pas une histoire d'analyse, vous n'analysez pas, et vous laissez monter en fait, vous remémorez cet événement. Et vous observez comment est-ce que vous étiez, comment est-ce que vous vous êtes senti.
peut-être s'il y a eu des accroches, ce qui s'est bien passé aussi. Mais là, on va chercher plutôt ce en général sur quoi on ne s'est pas arrêté, on n'a pas pris le temps de s'arrêter. Donc tout ce qui est désagréable, dit désagréable, que vous ayez été seul ou avec d'autres personnes d'ailleurs, vous pouvez aussi regarder ça, observer. Et juste toucher au sentiment qui vous a traversé. Le sentiment désagréable à un moment donné qui vous a traversé. Commencez par le reconnaître, puis le nommer. Vous le nommez par son nom à l'intérieur de vous, sans jugement. Et puis, vous pouvez l'accueillir. L'accueillir pour ce qu'il est, ce qu'il a été, sans chercher à le changer, ni à le fuir, ni à l'écraser, ni à l'oublier, ni à le transformer. Juste être avec. Être avec ce sentiment qui était désagréable à ce moment-là. Et laissez monter. Laissez monter ce qui vient à partir de ce sentiment désagréable que vous avez eu. Peut-être que vous avez des images qui vont monter, des souvenirs, toujours sans analyser. C'est plutôt c'est comme des petites bulles de champagne qui remontent à la surface. C'est votre intérieur qui vous donne des informations, c'est en fait votre inconscient. Voilà, vous lui laissez toute la place. Il veut commencer à vous détendre en même temps. Plus vous accueillez ce sentiment, comme il a été, sans vous juger, et plus il y a de la détente dans votre corps. Il y a de la reconnaissance. Et vous faites comme ça, vous pouvez passer les différents moments, peut-être où vous vous êtes senti moins bien, où il y a eu des sentiments désagréables. Et vous restez un temps avec. N'hésitez pas à arrêter la vidéo pour ça. Et vous pouvez vraiment la main sur le cœur, parce que ça a à voir avec votre enfant intérieur. Vous pouvez tout à fait vous adresser aussi à votre enfant intérieur en lui parlant. Mon petit enfant intérieur, ma petite sœur intérieure, ma petite fille, mon garçon intérieur. C'est vraiment à vous de voir comment vous le sentez et vous lui parlez. Tout est sorti comme ça. C'est difficile. Vous êtes juste là, juste présent. On n'essaye pas de changer ni de rassurer avant d'avoir reconnu. Là, c'est le moment de la reconnaissance, pleine et entière. C'est un moment d'amour que vous vous offrez. Peut-être des comportements que vous avez eus que vous n'avez pas appréciés. Vous-même, pas seulement les autres. Et de regarder ça avec beaucoup, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour et de bienveillance pour vous-même, d'accueil, puisque c'était là. Voilà, et ressentez l'énergie qui remonte, le sentiment de liberté aussi, qui commence à se soulever à l'intérieur de vous. À partir du moment où vous acceptez, où on accepte de voir notre ombre, ce qui a été plus difficile, plus désagréable, et de voir que nous avons eu ces sentiments-là, ces pensées-là, ces actes-là. Et nous restons avec.
Et on est présent avec notre enfant intérieur, sans se juger, pour une fois. Voilà, et on ouvre son cœur à nous-mêmes. Et aux autres aussi, du coup. Et ressentez cette liberté qui commence à venir à l'intérieur de vous. Ça fait de l'espace. On n'a pas laissé la place au juge, hein, à ce juge qui rétrécit tout et qui donne tellement peu de liberté à être. Là, d'un seul coup, il y a de l'énergie qui vient. Nous sommes entiers, hein, nous récupérons des parties de nous que nous reconnaissons, que nous accueillons. Nous sommes un petit peu plus entiers à chaque fois que nous faisons ça. Voilà. Donc profitez bien de ce sentiment de liberté profond, d'énergie, et laissez monter à partir de là, eh bien, dans la deuxième étape, on va aller à la gratitude. Voilà, le merci. Laissez monter un merci. 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 Ça peut être un merci sans aucune raison, comme ça, à l'intérieur de vous et puis à l'extérieur de vous. Peut-être qu'au merci va être collé naturellement quelque chose. Quelque chose va monter. Merci pour ça. Merci à cette personne-là. Merci à la vie pour ça. Voilà, laissez monter. Merci. Merci. Emplissez-vous de ce merci-là, de gratitude. Et puis, dans un troisième temps, eh bien, vous de nouveau laissez monter cette liberté et cette joie à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui s'entretient aussi, hein. C'est un petit peu comme on monte une mayonnaise, vous allez monter à l'intérieur de vous cette sensation de joie, hein, de pétillement, de vous avoir reconnu aussi et d'avoir eu de la gratitude. Voilà, laissez monter, amplifiez ce sentiment de joie et de liberté à l'intérieur de vous. Et placez quelque chose maintenant, à présent, une intention de nouveau. Quelle est votre intention? Pourra-t-être pour vous améliorer, hein? Quelque chose qui vient naturellement, ce n'est pas quelque chose de pensée ni de mental. Quelque chose qui serait bien ou pas bien. Ce n'est pas, ça ne vient pas de la morale. Ça vient de quelque chose, d'un élan profond de vie. Voilà, une intention de vie, un élan de vie. Laissez-le monter. C'est peut-être la possibilité dans votre esprit de pouvoir faire autrement. De vous comporter autrement à un certain moment donné. Quelque chose qui vous comblerait beaucoup plus, qui vous nourrirait beaucoup plus. Peut-être d'avoir une attitude, par exemple, moins fermée avec quelqu'un de votre entourage. Et de pouvoir ouvrir votre cœur, même si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Même si vous en voulez à cette personne, peut-être. C'est un exemple, voilà, ça peut être autre chose. Mais laissez monter ça. Laissez monter la vie, en fait. Hein, c'est vivant à l'intérieur de vous. Le vivant, il a une expression. Hein. Laissez-le monter à partir de ça, à partir de cette liberté-là. Et puis de là, vous le respirez, respirez, vous inspirez, vous expirez avec cette intention. Vous respirez, vous rayonnez, rayonnez-le autour de vous, tout en restant dans votre cœur, bien centré. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez passé les fêtes peut-être différemment avec la méditation d'hier, et puis que vous pouvez aussi appliquer pour toute autre réunion que Noël. Hein. Et voilà, c'est vraiment regarder à l'intérieur de vous ce sentiment de liberté et ce goût pour être plus vivant encore. Voilà. Je vous laisse avec ça, pensez à me mettre des commentaires, à me mettre des pouces j'aime aussi, ça me fait plaisir, mais même au-delà de ça, ça me montre voilà, les contenus que vous aimez. Hein. Et puis, vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, pour ne rien rater des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et je vous souhaite vraiment encore
un très très beau moment avec vous-même, d'être vraiment un très très bon compagnon et compagne pour vous-même. À bientôt.